j'essaye ta caisse. Exceptionnel! Pourquoi? Parce qu'il fait super beau et qu'aujourd'hui on fait une caisse cheveux au vent. Minimoque, j'adore. C'est trop mignon, trop choupinou, minou, minou. T'aimes pas toi? Ah si, moi j'adore. Bah heureusement, tiens. Allez, j'invite Benjamin avec nous, le propriétaire. Bonjour. La tradition, mon cher Benjamin, c'est d'essayer de remettre en général le véhicule dans son contexte historique. Ouais. Ça va être aussi relou que l'Austin Mini. Il y a eu tellement d'histoires. Oui. Mais on va repartir sur l'histoire du début. L'armée britannique décide de faire un appel d'offres parce qu'ils ont envie d'avoir un petit véhicule qui peut être héliporté, transporté dans l'hiver. Parachuté même. Ouais, voilà, cherchez le mot. Exactement. Merci. Parachuté. Un peu comme la Jeep pour l'armée américaine. C'est ça. BMC, à l'époque, se dit, on va prendre notre Mini, pif paf pouf, on va enlever la carrosserie, on va faire un truc différent, et voilà, et ça donne ça. Sauf que l'armée britannique leur dit d'aller se faire foutre avec leur truc, parce que ça va pas du tout, parce qu'il fallait qu'elle soit aussi tout terrain. Et là, c'est pas le cas. Pas du tout. Petit trou. Voilà, garde au sol, bah il y en a pas, hein, ça se voit. Donc ça ne marche pas du tout pour l'armée britannique. Il y a une plaque de blindage en dessous. Ah, quand même! Pour passer les chemins. Ah oui, oui, ah, oui. Ouais, 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 parce qu'ils étaient sûrs que ça allait frotter. Oui, c'est ça. BMC n'abandonne quand même pas le projet et décide d'en faire un véhicule utilitaire. Exactement. Donc vendu pour les professionnels. Pour les taxes. Pour les taxes. Pour que ça se vende. Pour que ça se vende. Et bien pour autant, ça se vend pas. Surtout parce que putain, faire une caisse comme ça en Angleterre où il fait toujours un temps de merde, oui. Ben forcément ça marche pas. Ça marche pas. Ils décident aussi de la vendre aux États-Unis et en Amérique du Sud et ça marche pas non plus. Non plus. Ça, je comprends pas, par contre. Ça marche nulle part, en fait. Ouais. En fait, c'est un bide. Mauvaise idée. L'échec commercial. Ouais, pendant 10 ans. Mauvaise idée. Voilà, mauvaise idée. Mais un peu comme la Mini à ses débuts, l'Austin Mini à ses débuts. Ça marchait pas non plus. Ça marchait pas non plus. C'était aussi un bide commercial. C'est dans les années 60 ou 70. Oui, entre les deux, ouais, 67. Ouais, voilà, un truc comme ça. Ça devient un véhicule pour les particuliers. Et là, ça commence plus ou moins à marcher, alors que le prix, du coup, vu qu'il n'y a plus les avantages. C'est cher. Bah c'est très cher, oui. C'est très cher, mais ça commence un peu à marcher et ça devient un objet de mode, fashion, tendance, comme l'Austin Mini. En fait, leurs histoires sont quasiment parallèles. Oui, en fait. Ce que j'adore, c'est les mecs, ils ont dû se dire ça marchera jamais, ça marchera jamais. Et aujourd'hui, ils doivent se dire, putain, vous avez vu. Et aujourd'hui, ils s'en mordent les couilles si tu l'as vendu la tienne. Exactement. Ouais, voilà. J'aurais dû la garder. Putain, on en parle tout de suite de la cote ou pas? Non, ça sert à rien, on sait que ça cote. Eh, jusqu'à 25 000 euros le jouet. Ouais. Alors qu'il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Oui, mais par contre, c'est tellement sympa. Ah, c'est génial. C'est génial. Oui, et tu vas te retourner là-dessus comme tu te retournes sur une Ferrari, finalement. Exactement. Ouais, c'est ça qui est bien. Il y a des gens, ils partent quand t'es en voiture. Ouais, ils t'arrêtent, ils discutent avec toi. Ils disent, alors, sympa la voiture. Ouais, mais c'est tellement fun. Voilà, ça, on va dire un capital sympathie. C'est mieux, ouais, pour une fois, je dis pas de gros mots. Petite formule un peu. C'est clair, politiquement correct. Ça ressemble pas du tout. Politiquement correct. Ça m'a pas trop plu. J'aime pas trop cette expression. Pour autant, je crois que c'est en 67 ou 68, oui. La production en Angleterre s'arrête. C'est complètement raté. Et ils décident de la produire, étonnamment, à l'autre bout de la planète, en Australie. Ouais. Pourquoi en Australie? Parce qu'il fait beau. Voilà, ils espèrent la vendre là-bas. Là, c'est pas con. Ouais. Mais au oui. marketing, ils ont dit peut-être c'est plus mal. Et ça s'exporte aussi. Ouais, mieux qu'avant. Ouais, mieux qu'avant. Mieux qu'avant. Parce que là, le succès commercial, Brigitte Bardot, Saint-Tropez, James Bond. C'est ça, les films. C'est quoi la série aussi, Le Prisonnier, voilà. Le Prisonnier. Donc on la voit un peu partout, c'est commercial, c'est tendance. Et puis un jour en Australie, ça s'arrête. Ouais. Ça revient chez Rover au Portugal. Rover vend Takateram qui était intéressé pour la racheter. Oui. Ils font une espèce d'appel d'offres et ils vendent leur usine portugaise. Et c'est Kajiva qui signe. Exact. Et là, ils se font arnaquer, escroquer, un truc de fou. En fait, dans les chiffres, sur le contrat de vente, ils avaient inscrit des tarifs. Kajiva se dit, ouais putain, c'est pas cher, on va le faire. Sauf que c'était les tarifs des pièces à prix coûtant. Ah oui. Donc, eux, quand ils ont commencé à produire, ils avaient prévu plus de 2000 par... Ben, ils l'ont fait qu'un an, hein, les exemplaires, parce que... Ça s'est arrêté. Ah bah ouais, ça leur a coûté un bras. Donc là, terminé. Et aujourd'hui, c'est fini. Fini, mais... Ah non, ça, j'allais en parler, mais non. Ouais, il y a des gens qui ont essayé de faire la No Smoke, un truc électrique à la con, on s'en fout. Voilà. Il y en a deux coincés. Il y en a un autre. Ils ont eu des problèmes. Ils ont eu des problèmes. Et attends, si, il y a aussi un artiste, Ludovic Lazaret, qui fait des véhicules juste extraordinaires. Et bien, il en a fait une amphibie, qu'il a vendue à pas mal d'exemplaires, qui est chouette comme tout. Et alors, pire, il en a fait une
avec un V8 et des routes 17 pouces. Oui, c'est pas pareil. Ouais, mais ça c'est un proto par contre. C'est pas homologué, je crois, sur la route. Non, non. Et complètement con, j'adore. Elle est 100% d'origine. Parce qu'ils ont fait plein de modèles, ils ont elle fait 100% des d'origine, sauf la banquette arrière qui n'était pas d'origine, puisque au démarrage c'était une deux places. Mais c'était pas aussi une option où tu pouvais la fabriquer sur certains modèles? Certains, alors... mais pas beaucoup. Ouais, voilà, très beaucoup. Peu. Non, les cartes grises, elles sont toutes en deux places. D'accord, parce qu'ils te vendaient donc des kits pour avoir les sièges arrière. C'est ça, c'est toujours le cas là. Et je voulais une voiture qui arrivait pour les enfants, il me fallait une 4 places, je voulais absolument une voiture de plage. Ouais. Et je voulais pas une Mary. Donc en fait, en 4 places, il y en a pas 40. Il y a eu plusieurs moteurs dessus, non? Les 900, les 800 et les 1000. C'est un 900, c'est un petit. Hein. C'est celui d'Aminostin. D'accord, et combien on a de chevaux du coup? 65. Ah, c'est quand même bien, oui. Parce que ça pèse combien? Je crois que c'est 800 kilos. Ouais, à peine, hein. Elle est de 89, donc elle a été faite au Portugal. C'est des moteurs fiables, c'est juste des voitures qui craignent la flotte. Ça rouillait, en fait, c'est pour ça qu'il y en a plus beaucoup. Les gens, ils avaient beaucoup sur le bord des plages. Ah, bah et ouais. Et avec le sel, en fait, ça rouillait, et c'est pour ça qu'il reste beaucoup de Mehari et pas beaucoup de Mook. D'accord, parce que la Mehari, elle n'est pas en. Elle rouille pas, enfin, forcément, elle est en plastique. C'est une mauvaise voiture de plage, en fait. Par contre, ta carrosserie, elle est neuve. Ouais. Tu l'as fait repeindre ? Ouais, il avait repeint le gars. D'accord. Moi quand je l'ai acheté, il l'avait repeinte. Mais je sais pas quand, je l'ai acheté il y a 4 ans et il avait dû la repeindre. Ouais, il y a peut-être une dizaine d'années maintenant. Ah bah putain, c'est resté propre. Ouais, c'est nickel. Et ça aussi c'est d'origine et d'entrée de jeu, il y avait ? Ouais. D'accord, ça c'est pour éviter les remous d'air, ils y ont pensé ouais, un peu quand même. Ingénieur. Ouais, c'est ingénieur en aérodynamique. Attends. Non mais ils auraient pu ne pas le mettre et mettre que le pare-brise. C'est des options. C'est du verre. Ah, c'est des options. C'est du verre. Il y avait quand même des options alors. Il y avait plein d'options. Il y avait le toit, il y avait les capotes complètes. Il y avait un toit comme la Mehari, tout plat. Le bain de soleil, ma tête dépasse donc je peux pas en avoir. Et les rétros, tu disais, ils viennent d'un Range. Ouais, c'est des rétros de Range Rover. Bah remarque, ouais. Ils ont repris plein de pièces en fait, parce que quand ils ont fait au Portugal, ils n'avaient pas toutes les pièces, ils n'ont pas tous les mêmes rétros, les moteurs. C'était d'origine les pare-chocs ou c'est une option? Oui, c'est d'origine. D'accord. Ça part pas les chocs quoi. Ouais, ça part pas les chocs. Non, c'est plutôt c'est un pare-machette. C'est un pare-machette. Et encore, même pas sûr. Parce qu'on croise, ou un par... Moi, des fois, j'appelle ça un pare-con. Oui. Parce qu'on croise plus de cons que de buffes quand même. C'est un pare-chien. Donc peut-être qu'ils ont gardé ça du truc de l'armée. Du truc, ouais, c'est possible. Comme la plaque en dessous là. La plaque en face. Ouais, comme la fameuse plaque. C'est possible. Qu'ils auraient peut-être dû mettre aussi sur l'Austin. Oui. Parce que tu touches c'est pareil, tout le carter. Ça touche, c'est pareil. Bah ouais. Il y a un seuil de porte. Eh oui. Pour pas mais il n'y a pas de porte. Le réservoir le d'essence. Le réservoir d'essence. Non, il est là. Le gros réservoir d'essence. Combien de litres? 17. Ah ouais, c'est tout petit. Et ça, c'est un coffre? Ouais. Mais il y a... Et tu mets les raquettes de plage et les serviettes. Tout. Et c'est tout. On peut l'ouvrir comme ça. Ouais, vas-y, vas-y. Ah oui. Eh bah écoute, on en met quand même dedans. Ouais, hein. C'est pas petit. On est parti en vacances, nickel. Faut mettre le ballon. Les papiers de la voiture. Les papiers de la voiture. Y a pas de boîte à gants, y a rien. Ah oui, c'est vrai, y a pas de boîte à gants, y a rien. Y a pas de prise USB pour ton téléphone. Ah non, non, y a pas d'autoradio. Y avait des options d'autoradio. Et regarde, y a une poignée. Alors ça, c'était pour les parachuter. Moi, je l'ai enlevé là-bas, mais ça, c'était pour accrocher le parachute quand il est jeté. C'est marrant c'est qu'il pour... l'ait laissé. Ouais, ils ont laissé. Il faut les porter, c'est comme la Jeep Police. C'est des voitures qui doivent être portées par 4 militaires. D'accord. Donc finalement... Pour les charger sur les bateaux et tout. Elle a gardé plein de stigmates, si on peut appeler ça, de son origine, alors que jamais personne ne l'a héliportée. Non. Attends, finalement. Tu dis que 4 mecs la portent? Ouais. Ouais, bah oui, 800 kilos. Des militaires. Hein. Bah, des... Non mais l'armée. Des militaires. L'armée. Des... Ouais, enfin moi c'est bon, je la porte, mais... Ouais. Tout seul. Tout seul. Comment tu te la pètes? La batterie est là, et c'est là où je disais tout à l'heure, ça prend la flotte en fait au bout d'un moment, et la rouille se forme et c'est mort. Ah oui, l'eau rentre dedans, elle stagne et ça rouille. Ouais, parce qu'ils n'ont pas mis de joint derrière. Il n'y a pas de joint et dedans, il n'y a pas de trou en dessous. Pour évacuer l'eau. À l'intérieur, il y a des trous pour évacuer l'eau là. Mais pas là. Mais pas là. Je vois que tu as deux essuie-glaces. Je crois qu'au tout début, quand elle est sortie, il y en avait qu'un. Ouais. Regarde ce petit échappement. Il est mignon. Non mais sérieusement, par contre, pour reparler de ça. Non mais comment ils ont pu y avoir l'idée? Mais comment ils ont pu prétendre réussir? Non, non mais c'est. Tu te dis, non mais. Oui. Merde, ça j'ai, une idée. Ouais. J'ai une idée, les mecs, il y a une appel d'offre de l'armée. Ouais. On va mettre des roues comme ça et puis on va la faire basse comme ça et on va y aller dans les bois. Ouais, non, ça marche pas. Bon, on va rouler, hein. Que je touche les pédales. Oui, est-ce que t'as montré mon cœur la taille de la pédale d'accélérateur? Allez, regarde donc. 3 cm carrés. Là, Il y a une petite pédale. Par contre, j'ai un problème. Faut débrayer. Bah non, c'est que. Ah non, c'est parce que t'as débaissé le dossier. Ah non, il se règle pas. Hein? Non. Bah, c'est une voiture de sport. Bah, bon, tu peux pas avancer plus. On conduit couché comme les Lascars, on regarde par la vitre de derrière. Ah, bah non, y'a pas de vitre. T'es à fond. Je suis à fond parce que là, ça va. Mais. Oh, hey, je vais conduire comme ça. Alors, vas-y, comment on démarre? Juste tourne cette clé. Tu tournes, ouais. C'est une voiture.
Et là, on sent la puissance. On a des watts. Putain, c'est quoi encore cette boîte de vitesse? Elle est normale, première en haut à gauche. Faut y aller franchement. Voilà. Oh, j'y suis là? Ouais, il y a 4 vitesses. J'adore. Mais c'est génial! C'est des vacances. C'est les... Mais oui! C'est les vacances tout le temps dans cette voiture. Putain, ça souffle. Mais tu m'étonnes, on perd les casquettes en fait. Ah bah oui, les enfants c'est derrière qu'ils les perdent. Elles s'envolent. On en a 2 ou 3 casquettes là. Unique au monde. Je m'habitue à la boîte. Hein. 3. Au début, c'est galère. Hein. Ouais, c'est ça. 3. 3, c'est dans ton genou. Ouais, c'est ça. Mais c'est la marche arrière, faut que j'enlève ma jambe. Ouais, pour la marche arrière, faut que tu descendes. Ouais, c'est la misère. C'est vrai en plus. C'est horrible. Non, c'est ultra fun et ça n'a rien à voir avec tout le reste. Non. Putain. Je comprends en fait cette passion. Ouais, mais voiture unique. De plage à Paris. Oui, ça paraît bête, mais en fait, t'es en week-end tout le temps, t'es en vacances. Et ça donne exactement une autre manière de vivre la route. Ouais. Regarde, là, on a un sentiment de liberté. Ouais. La route nous appartient un peu. Ouais, moi je trouve ça. T'es tout près de la route. Top. Ah bah oui, tu m'étonnes, là on la voit. Hein. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a rien, c'est brut. Ah oui, t'as pas de chauffage? Non. Est-ce que ça existait au moins en option? Oui, ah, il y avait ça et les autoradios. Le levier de vitesse pour moi est super loin. Et puis ça freine pas la folie comme bagnole. Ah non, ça ralentit. Non, ça... On est un peu comme dans une moto. Ouais, ouais, t'as les mêmes sensations. À la vitesse en moins. Ouais, voilà, c'est ça. Calmons-nous. Calmons-nous. Ça va être un j'essaye ta caisse sans excès de vitesse. Ouais. Bon, remarque qu'on en fait jamais. Hein. Ouais, bon. C'est pour ça. Ouais. Quand tu es à 70, t'as l'impression d'être à 130. De grandes émotions, grandes émotions. Oh, ça tourne bien, hein. Ah oui, c'est un quartier qui s'est posé par terre. En fait, la poignée qui est en c'est bas, c'est pour tenir, là. C'est celle qui remplace la poignée. Voilà. C'est pas pour le parachute, non. N'importe quoi. C'est quand tu te tiens. En fait, c'est bien aussi pour draguer, genre ouais, t'emmènes quelqu'un, tu touches c'est la jambe de la meuf. C'est pour les filles. Ouais. En fait, tu redis chez la boîte. Ouais. Oh pardon. Oh pardon. Je suis désolé. Voilà. C'est dégueulasse, comme on dit. C'est complètement misogyne. Ouais. Oui, c'est drôle. Mais oui, pour en rire, on peut plus rien dire aujourd'hui. Oula, oula. Tu vois. On va trop vite, Benjamin. Ouais. On peut faire même coucou à Guillaume, regarde. Yeah. Allez, à quoi du pétrole maintenant. C'est en fait, sur les bords de Seine, l'été. Oh la classe. Mais oui, il n'y a pas besoin de la mer en fait. Non. Bah non. Non, non, c'est un art de vivre. Tu vas au pain avec ça, t'es rendu plus propre. Mais oui. C'est exactement, putain, t'as tout dit, c'est un art de vivre. Une autre manière de vivre l'automobile. Oui, oui, ça a rien à voir. Qui avec les normes de sécurité d'aujourd'hui, putain, bah, c'est plus possible. Plus jamais ils feront ça en fait. Non. Ah bah non. Rien que le pare-choc. Bah oui, rien que le parcon devant. Ouais. Ils ont raté quelque chose, les militaires anglais, quand même. Hein. Ouais, mais de se marrer. Bah oui. Ah oui. Mais je me serais pas bien vu en haut d'un bombardier en train de dire allez, on jette la bagnole, t'es dedans, il y a le parachute. Parce qu'attends, tu crois qu'il. Non, ouais. C'était ça qui était prévu. Oui, mais les gens avec étaient les pas dedans. Bah, ils voulaient faire ça. Non, avec les mecs dedans. Mais les Américains, quand ils le faisaient avec les jeeps. Ah, ils l'ont pas fait avec les mecs dedans. Ah ouais. À l'atterrissage, ça devait pas être marrant. Ouais, hein. Putain. Y'a que t'en fasses.
ils l'ont fait. Sans se faire mal. Et puis ça tient vachement bien la route, hein, en fait, quand même. C'est posé par terre. C'est posé par terre et c'est confort. C'est pas spartiate. Tu sais pas ce que je veux dire. C'est spartiate. C'est spartiate, mais confort. Ouais. J'ai pas mal au cul. Non. J'ai pas mal au dos non plus. Avec un dossier d'enfer. Avec un dossier merde, allongé. Il n'y a pas de DA non plus, on l'a pas dit. Non, il n'y a rien. Vas-y. Excuse-moi. T'as la pelouse. N'en profite pas, ouais, t'as vu. J'ai bien fait de mettre un short. Oui, t'as eu raison. Fais le klaxon, tu vas voir le klaxon. Ah, c'est où? T'appuies sur le bouton, là. Ouais. Putain, ça, c'est du klaxon, ça. Poussez-vous. C'est énorme. On est suivi par un motard. Ils roulent pas assez vite. Ils vont pas me déposer non, mais ils se croient où les mecs? Faut baisser la tête pour l'aérodynamique. Tiens, vas-y. Comme ça, tu vois. Tu prends le volant? Ouais, si tu veux. Tu m'emmènes? Je suis le maître du monde.